Hey yo yo yo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Eh ben écoutez, moi ça va à merveille d'ailleurs. Je suis très content, très heureux de tomber une fois de plus dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons de 5 choses qui font assez que Fally Ipupa maintienne, on va dire, son succès et justifie tout simplement le vent en poupe de Tokos de son album déjà dans le bac depuis le 18 décembre dernier. Avant d'aller beaucoup plus loin, joyeux Noël à vous, bonne fête à vous, bonne année 2021. S'il vous plaît, family, abonnez-vous. Warriors du monde entier, soutenez la chaîne, soutenez le travail. Eh ben, c'est toujours hein, pour donner la place de choix à l'artiste Fally Ipupa. Moi, personnellement, je me donne la peine de réaliser telle ou telle autre vidéo. Donc, voilà quoi. Eh ben, écoutez, la première des choses, sans pour autant perdre assez de temps, family, je vous dirais, c'est le fait de soigner son image. Fally Ipupa, c'est un artiste, j'ai envie de dire, méticulé. Pourquoi? Parce qu'à un détail près, il contrôle son image. Les 5 choses sont comme suite. Soigner son image, toujours être présent et actif, savoir vendre son image. La 4e chose, éviter des polémiques ou du moins utiliser certaines personnes pour mieux le faire à sa place. Donc voilà. Et la 5e des choses, savoir aimer et donner envie au public de ce que l'on fait, de ce qu'il aime faire, c'est-à-dire sa musique. Et bien de 1, l'artiste a un minimum prêt, il sait comment, j'ai envie de dire, mieux soigner son image de par ses publications, de par la presse, de par son code vestimentaire, il sait comment mieux soigner son image à l'égard de sa fanbase ainsi que d'un autre public pour mieux le conquérir. Toujours être présent et actif. Et bien écoutez famille, au jour d'aujourd'hui, le monde évolue avec une vitesse énorme, alors énorme. Il faut toujours être à la pointe de la technologie. Pour être présent, il faut maîtriser telle ou telle autre chose pour rester toujours soit en tendance et être présent. Maintenir, j'ai envie de dire, une certaine présence sur toutes les plateformes. Je vous parlerai plutôt d'Instagram ainsi que de Twitter. Et ben H24, à tout moment, nous voyons des posts, nous voyons ces snaps, nous voyons ces stories. Et ben le fait de faire ça justifie largement que l'artiste maîtrise en tout cas quelque part plateforme et derrière lui il a toute une équipe qui s'occupe mieux, j'ai envie de dire, de quelques plateformes possibles que lui n'a pas toutes les compétences. D'ailleurs, être actif et présent, je dirais en quelque sorte, c'est son apanage. La 3e chose est savoir vendre son image. Je dirais tout simplement que l'artiste Fally Ipupa excelle sur ces points-là. Vendre son image de la plus belle de manière, il sait pertinemment bien le faire. Le fait simplement pour lui de soigner son image, d'être présent, ainsi que de se donner en public à chaque fois, c'est-à-dire en écoutant tel ou tel autre de ses morceaux, soit en revisitant 2-3, j'ai envie de dire, chansons qui ont bercé un tout petit peu son enfance ou sa jeunesse, eh ben, il arrive à mieux vendre son image dans ces sens-là. Et surtout, alors surtout, le plateau de télé, j'ai envie de dire, international, j'ai envie de dire, il arrive mieux à vendre son image de la plus belle de manière possible, family. Donc, voilà. Eh ben, la 4e chose, éviter le polémique ou du moins avoir 2-3 personnes qui les feront à sa place sans que lui-même ne soit entaché de ça. C'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de très bien d'ailleurs. Pourquoi? Parce que le polémique en soi, personnellement, il ne se lance pas dans ça pour ne pas être sali par la suite. Je vous ferai remarquer, family, ce qu'il y a de bien dans une polémique quand tu te frottes à une personne qui est beaucoup plus supérieure à toi. De 1, tu grattes un bon bout de buzz. De 2, c'est aussi une bonne stratégie. En quelque sorte, si tu arrives, on va dire, à générer de l'argent ou arriver à un point où la polémique tes profite, et ben pour Fally Ipupa, je dirais que rien de tout cela. Pourquoi? Parce que c'est l'artiste, on va dire, du moment, adulé par une grande fanbase, le Warrior. Et ben je trouve mal que Fally Ipupa se lance dans la polémique, tout simplement. C'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, d'autres artistes qui se frottent un tout petit peu à lui pour essayer de soutirer un bon bout de buzz et se faire un tout petit peu également de la promo. Pourquoi? Parce qu'en insultant, soit en faisant la polémique avec lui, on suscite, on va dire, la réaction de Warrior, on suscite la réaction de personnes qui aiment l'artiste à l'égard de cette dernière qui veut nécessairement se frotter à lui pour avoir un tout petit peu de buzz ou soit tomber dans la polémique tout simplement. Et bien la 5e chose, family, savoir aimer et donner envie en public à ce que l'on fait. Et bien tout simplement, c'est le fort, c'est l'apanage de l'artiste Fally Ipupa. Pourquoi? Parce que le fait pour lui de se mettre dans sa voiture, le fait pour lui d'être dans tel ou tel autre endroit, de se snapper, de faire des stories en écoutant l'une de ses chansons, c'est déjà pour lui quelque chose de très bien. Pourquoi? Parce qu'il vous donne pas simplement envie, mais il vous pousse, on va dire, à aimer également cette chanson-là. Et ben, je omis
tout simplement d'ajouter sur la liste la maîtrise de la promotion. Eh ben, déjà, Fally Poupassé est une bête du côté promotion. C'est un titan, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce qu'il maîtrise ses cédants, la com. C'est un tout petit peu le fait pour lui de se frotter aux grandes personnalités, on va dire, de la musique, ainsi que aux grandes stars déjà, et manière dont elles font pour faire passer le message, pour vendre leur musique ou leur image, j'ai envie de dire. Fally Poupa a mieux adopté, et d'ailleurs, il a encore professionnalisé, performant, c'est là à son avantage, tout simplement. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un artiste congolais qui peut direct rivaliser avec Fally Poupa sur le plan promotionnel. Pourquoi ? Parce qu'il maîtrise mieux son image, il vend encore excellemment bien d'ailleurs son image par rapport à d'autres presses, tout simplement. C'est un tout petit peu grâce à ça que Fally Poupa maintient son succès et arrive à engrainer de foule et de foule grâce à sa manière de faire. Et ben, déjà faire la musique au jour d'aujourd'hui, il faut avoir la maîtrise de plein de choses. Comme l'artiste aime bien le dire, c'est une question de professionnalisme. Faire la musique, ce n'est pas tout simplement savoir chanter. C'est tout un ensemble de choses qui caractérisent un artiste, un musicien, tout simplement. Et ben, écoutez, family, sur cette note, je vais devoir vous quitter. Déjà, joyeux Noël à vous. Joyeux Noël, je me répète encore une fois. Bonne année 2021. Warrior du monde entier, je vous incite, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Impossible de ne pas Warrior. Le Warrior, toujours d'attaque. Continuez à consommer l'album de la plus belle de manière possible. Je vous reviendrai dans une nouvelle vidéo pour vous parler de chiffres, le vrai, après une semaine déjà de la sortie de l'album Tokos 2. Eh ben, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Moi, c'est Vimaoité. Portez-vous bien. Ciao.